c'est Jeunesse, j'espère que vous allez tous bien. Moi, pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo 11 de Pokémon Soleil. Donc, c'est parti. Donc, j'ai regardé. Donc, Gwenfrex ne s'est voulu que par rapport au massage. Donc, c'est pour ça qu'il faut un gros lozen et tout. Donc, c'est un peu compliqué. Et donc, là, on va aller voir. Donc pour la troisième épreuve. Bonjour à vous, je me présente, je suis Nifi, la capitaine à Colline Clapotis. Vous avez l'air de très bien vous débrouiller. Voudriez-vous me prêter main forte? Bien sûr. Non merci, suivez-moi. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'elle veut me montrer? J'ai peur. C'est Nifi. Alors je... Waouh, elle vit où là? Waouh, c'est quoi ce truc? Actimel! Non, c'est Pochou. Non. Oh, Tarlette, voilà. J'envoie Tarlette. Il faut. Alors, je comprends pas. Où est l'épreuve là? Alors, on me dit, ouais, on fait l'épreuve et tout. Je comprends pas. Donc, qu'est-ce qui se passe alors pour l'épreuve? Il fait nuit. Hein. Regarde, vous voyez là, au milieu de l'eau? Ouais, je vois bien. Cela, ça nous dira que la route de ta Pokémon aquatique se cache et tout. Pourriez-vous aller voir de plus près? Ah, mais donne-moi l'idée de vous forcer de nager jusqu'à là-bas. Le classe est enregistré dans votre appel, mon tueur. À deux de local, vous pourrez parcourir les fours les plus déchaînés. Mais sinon, vous pourrez aussi traverser les rivières. Quoi qu'il en soit, il est temps d'aller voir le plus près. C'est dangereux. Ok. Alors par contre, comme c'est Pokémon haut, on va mettre Magnifique. On va mettre Magnifique pour... Ouais. Aïe. Pourquoi ils ont peur? C'est ça qui fait peur? Ok. C'est quoi comme Pokémon redoutable que je vote? Oh, c'est genre pour moi, il s'est causé par un tout petit fond. On dit mon papa, ce n'est pas la taille qui compte, mais la force de ton petit chou-chou. Tu sais qu'est-ce qui se passe quand j'entends l'eau qui s'agit de là-bas? Serait-ce encore un Pokémon ou bien un bon nageur? Il y a quelques moyens de savoir, je compte sur toi. Comment veux-tu que je passe? Ah, c'est où l'eau là? Oh, the fuck, il y a un problème là. Un arachno? Je suis très choqué de l'avoir ici. Mais qu'est-ce que tu fous là, arachno? Va te coucher. Donc les gars, je pense que je sais pas où aller cette trace d'eau. Mais je compte bien pouvoir la trouver. Je pense que... Déjà, cette rive va aller dans une autre rive. Donc, ça veut dire que vous voyez les Frosardines, les trois poissons qui sont partis vers les torrents d'eau. Et bien, les torrents d'eau, en fait, ça provient de là-bas. Donc, pourquoi ils vont se combattre? Il sait que c'est Pokémon. Bah, les gars, là, je suis obligé de me combattre contre un Goélis. Je suis obligé, excusez-moi. Mais je vais me combattre quand c'est. Avec Magneti, voilà. Et Goélis et Mikao. Bah, c'est pas grave, on s'en fout. Hop. Il faut qu'on gagne. Il faut aller en bas dans l'eau. Alors, c'est parti. Bon, là, je sais pas où je me situe à peu près, à vrai dire. What the fuck? Pourquoi? What? Oh là, regarde. Mince, j'ai oublié votre nom. Ah oui, c'est Max, c'est un joli nom, mais c'est dur. Regarde, là-bas.
Voyez-vous les romances dans l'eau? C'est peut-être un gros Pokémon ou un beau nageur en détresse. Oh là là. Mais c'est pas possible, elle a changé de. Elle a changé de. Je sais pas quoi, là. Attendez, donc on va aller là. Mais pourquoi ça descend les Pokémon? Et c'est. Il y a un problème là. Ils ont peur de quelque chose, les Pokémon. C'est encore un Frossardine. Ouah, ça fait pas peur ça. Et Frossardine, ça fait une petite frousse. Normalement, c'est pas ça qui fait peur. Sinon, Magnétisme, il se serait déjà attaqué. Je comprends pas, la puce, il se met à tomber. Oh, mais c'est encore un petit. What? Mais comment il fait pour. S'il te plaît, veux-tu aller voir? Ok, je vais aller voir les gars. C'est parti. Ah non, 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 il y a un pêcheur là, j'ai pas envie de me combattre contre lui. Non, écoute, la commune qui en gros sérieux. Et c'était une blague. Écoute, vous attendez, tu sais que la petite, c'est l'océan tout proche. Au fait, j'y passe. Lorsqu'il pleut, la puissance, c'est peut-être pour ça que les ronces. Ok, on va aller un peu plus près de la rive où il y a. Elle est là. Ouais. Ah, d'accord, elle m'a fait venir dans sa grande épreuve. Ah, mais. Max, vous avez suivi mon silage jusqu'ici. Début de l'épreuve. Ah, mais c'est ça les buts. Vous allez franchir le prochain du capitaine. Vous savez que cela signifie que l'épreuve a déjà commencé pour vous souvenir. Vous allez devoir mettre un Pokémon lumière, un vrai tyran d'eau. Il est où? Regardez cette. Où est-ce qu'il faut pour faire une cueille? Oh, capturer et c'est parti. Encore. On est dans le lac. Et ouais, combien y a-t-il? Les lacs, le lac il est très bien fait, là. 88. Wow, un coup de tonnerre résonne au moins. Donc là, prendre l'eau de peur. Pourquoi? What the fuck, c'est quoi ça? Wow! C'est quoi ce poisson? Mais c'est une baleine, c'est quoi ça? Oh! Mais c'est un Frossardine! Les gars, c'est quoi ce truc? Oh, j'ai jamais mis un Frossardine dans une arme de se battre. Le Frossardine dans une arme, déjà, j'ai une aura qui représente sa défense. Magnétique, go! Je m'en fous. Hein. Magnétique. Et quoi, ça peut voir? Oh, le Frossardine, il est très. Putain, il est très gros, ouais. Il est. Magnétique, et c'est. Ah, je m'en fous, moi, j'ai pistolet à eau en plus. Oh, d'un coup, il m'a mis. Magnétique, ok. On va choisir un autre Pokémon. Et flèche, fonce, s'il te plaît, vas-y. Oh, il a pas peur. Frossardine a fait du renfort. Ok, en plus, j'ai Trancheur, mais qui va pouvoir l'attaquer en deux. Voilà, le petit Frossardine apparaît. Oh, c'est le début de la grande épreuve, là. Ça sent trop la merde, là, les gars, au secours. Allez, c'est super efficace contre les deux, en plus. C'est marqué sur l'écran du bas. C'est parti, les gars. Et flèche, Trancheur. Ouf, Frossardine. Du côté, il s'est mis au chaos. Ben, c'est bon. Ok, c'est ça. Mais quoi, ça se fait qu'il a une baie? Un baie citrus. Ouais, il fait. Oh, je gagne 300 points d'XP. Pistolet à eau, bien sûr, il va me mettre un pistolet à eau. Ok, je crains. Ouais, je crains un peu. Je vais directement envoyer Trancherbe sur lui. Directement, parce que là, sinon, je suis. Oh, oui. Des trempages. Des trempages, c'est quoi comme technique? Mais c'est pas possible qu'il appelle deux fois le. Comment ça se fait? Un Mamambo? Non! Genre, il y a des Pokémon qui. Franchement, ils sortent de la norme, quoi. La normale, quoi. C'est vraiment bizarre. Bon. Je regrette déjà de pas pouvoir avoir un nouveau Pokémon. Niveau de. Il faut que déjà je l'ai mis. Je les fracasse. Mais le Frossardine récupère. Non mais là, c'est un truc impossible à faire. Ça, c'est vraiment. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les.
Ah ben on va attaquer tranchant encore, je m'en fous. Sur ce coup-là, bon, je mets coup de nez. Ah, c'est le même. Hein? Non, mais je m'en fous, moi, je vais faire un tranchant. Voilà. Ouais, mais là, non, mais c'est bon, quoi. Hein? C'est quoi? C'est quoi ce bordel, là? Putain. À chaque fois, il y a le Frosardine, on dirait qu'il récupère de l'énergie, ou alors c'est. Ou alors je rêve, ou je sais pas quoi, parce que là normalement je l'aurais mis KO depuis bien longtemps là déjà. Ah ouais, non mais. C'est vraiment du n'importe quoi. Mais ouais, mais. Ah bah, ça vient de ce Pokémon. Là, vous voyez. Ouais, mais non, mais c'est trop dur cette épreuve, ça. Je m'en fous, moi, je m'en fous. Putain, les gars, mais quoi je peux faire là? Le Frossardine, de toute façon, il est très puissant. Non, mais. Aussi. Ouais, mais là, non, mais. Et Flèche, là, il est mort déjà. Mais il est trop fort, Frossardine. Je comprends pas pourquoi, mais. Il a. Ouais, c'est celui-là, là. C'est ce Pokémon-là qui lui donne des coups de main. Et en fait, il va lui transmettre le pouvoir de guérir. Non, mais c'est bon, là, on va passer des heures sans. Ouais, mais non, là, les flèches, c'est bon. Il va mourir, voilà. On s'en bat les couilles. Hein. Écoutez, c'est bon. On va savoir un peu mal. Je vais choisir un autre truc. À moins est-ce que. Il y a un miracle là, bon, Torgnole. On s'en bat les couilles, c'est bon, hein, mon Pokémon va crever. Hein. Hop, 3. Oh, tu peux y aller, vas-y. Ah, voilà, ça fait plaisir. Ah, je m'en fous, c'est bon. Là, en plus, je sais que je vais perdre, donc, à moins que. Voilà. Excusez-moi, là, je suis en train d'un peu de réfléchir. Piquiron. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un Béron. C'est quoi le Béron? Qui sont au sommeil? Non, mais je m'en fous, ils sont des Pokémon. Béron. C'est vraiment très galère quand tu sais même pas. Non, mais vibration. Force. Froussardine. Ah, ce Pokémon, il me rend dingue. C'est un Pokémon le plus, mais le plus. Je sais pas quoi vous dire, mais là, c'est le plus pourri des Pokémon là, que je dois battre en plus. Le plus fort. Putain, c'est déconné. Pokémon ouais. Le plus dominant. Mon gros. Piquéron, je m'en fous. Allez là. Ouais, il me fait en plus pistolet. Ah, ouais. Non mais là c'est bon. Il a cherché, m'a trouvé. Go. Magnéti. J'espère que Magnéti face à Sardine. Oh là là, mais là franchement là c'est du n'importe quoi quoi. Étincelle. Pistolet à eau. Mais j'y crois pas, mais juste avec un pistolet à eau. Non mais là je pète un câble. Gonflex, vas-y, mais lui la patate, mais lui toute une puissance, mais vraiment, je m'en fous. Là, mais lui, Caramel à force Z, là, je m'en fous. Là, franchement, là, tant qu'à faire, là, je vais mourir, hein, déjà, sûr. En plus, là, c'est trop chaud. Force Z, vas-y, Gonflex. Comme si aussi tu t'évoluais en ronflex, quoi. Je te promets que tu serais beaucoup plus puissant. Go, vas-y! Puissance maximale. Ah non! Ah non, 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 non. Aïe, aïe, aïe. Et flèche. Sur les flèches, je n'ai plus qu'à. Pistolet à eau. Vas-y, mets-lui un pistolet à eau.
Oh là là. Mais non, c'est à nous deux. Attrition. Grâce à vous. Mais cela est chouette. Comment ça? Attrition. Ouais, mais quand même, il fait très peur après. Oh. Mais c'est très chaud, les gars. Un Pokémon Froussardine comme ça. Oh, Gwenfrex, s'il gagne, c'est rigolo. Oh. Oh, quoi? Gwenfrex? J'hallucine. Bon, on va garder les grincements. On va pas garder grincements. Oh, niveau 23. Le reste de l'équipe pour prendre un max d'XP. Franchement, oh là, ouais, ben ouais, voilà ce qu'on pouvait constater. Vous avez battu le Froussardine dominant. Ouais. Oh, les gars, on a réussi l'épreuve. Ok, bravo, revenez ici. Je ne sais quoi dire, vous avez vaincu le blanc de Froussardine que j'ai mis des semaines à entraîner au fond de moi. Je suis un petit peu déçu, mon beau nageur en détresse alors. Néanmoins, je suis obligé de reconnaître votre réussite à l'épreuve. Vous avez toute mon admiration. Laissez-moi. Voilà, ça y est, les gars, on a l'anneau, un cristal Z de type O. C'est parti, nous avons réussi la grande épreuve. Épreuve réussite, pas la grande épreuve, mais l'épreuve, elle est réussite. Et je suis super content. Excusez-moi. J'ai appuyé sur le bouton Home, ça se fait. Voici la pose à adopter pour utiliser la force Z de type O. Si vous avez fait un cadeau de ma canne à pêche, c'est moi qui l'ai faite. Oh, elle m'a donné une canne à pêche. Oh, mais je te remercie aussi. Oh, c'est deux cadeaux quand même. Laisse-moi d'ailleurs vous expliquer. Pour bien pêcher, il faut d'abord trouver des rochers immergés et les examiner dans le bouchon. Foncez, ok. Certains disent, mais je n'ai pas trouvé le bouton sur le cadeau. Sinon, pour tout le temps, il faut une scuba ball. Scuba ball, donc c'est sa spécialité, Pokémon. Ouf. D'ailleurs, ça me rappelle la fois où j'ai pêché un Léviathan rouge. Sérieux? Qui sait? En tout cas, vous avez bien travaillé. Laisse-moi vous raccompagner sur Pokémon en route 5. Oh oui. Bon, bah, va me raccompagner alors en route. Comme ça, voilà. L'épreuve suivante. Laquelle déjà, oui, c'est celle de Kia. Je m'en souviens au parc volcanique. Vous avez visité Orange au Hama. Si vous agitez votre aquazilite devant eux, ça vous permet de rappeler quelques mauvais souvenirs. Alors, et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas. Je vous dis bye tout le monde. À la prochaine.